Bonsoir, très heureuse de vous retrouver et de vous accompagner jusqu'à 21h pour revivre ensemble quelques-uns des meilleurs moments de C'est à vous. Avec ce soir, Macha Meryl, Eve Rougieri, Andrew Manov, Camille Lelouch ou encore Pascal Arbillot, qui toutes se sont emparées de combats féministes et sociétaux. Bonsoir, cher Pascal. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous pour évoquer. Ce spectacle adapté du livre de Sandra Visanova, Interruption, l'avortement par celles qui l'ont vécu et l'avortement, Sandra, cette jeune avocate, l'a vécu deux fois, deux situations très différentes, la première fois de façon douloureuse, la deuxième fois de façon beaucoup moins violente, presque anodine. Et c'est en racontant son histoire qu'elle a réalisé combien elle déclenchait d'autres récits, parce qu'aussi surprenant que ça puisse paraître, les femmes entre elles ne parlent pas de ça. On n'en parle même pas. Moi, j'ai une amie récemment qui m'a dit ⁇ J'ai jamais dit à ma mère mais ai ⁇ Mais j'ai dit ⁇ Mais pourquoi ?⁇ Je ne sais pas. Elle ne peut pas m'expliquer. Elle me dit peut-être que j'avais un peu honte de l'avoir déçue. Parce que quand on est une femme, en fait, on, on doit faire attention. Mm. D'une certaine manière, on ne peut pas tomber enceinte. On a les moyens de ne pas tomber enceinte. Et ce n'est pas vrai, mm. au fond. Et de ce silence entre amis euh, au sein des familles est frappant. Moi, je ne pensais pas que c'était aussi... Euh... En 2024. En 2024. Quoi. 2024 aussi ouais, ouais. important, c'est dire le tabou qui existe encore ouais. autour de cette question. Et c'est d'ailleurs ainsi que le spectacle... Et les hommes aussi n'osent pas en parler. Ah ouais. Or, en fait, dès qu'on leur en parle, ils... dès qu'ils ont accès à une forme de connaissance du sujet, ils se libèrent aussi. Et on prend la mesure de la difficulté des femmes à faire valoir ce droit à avorter. Parce qu'il existe ce droit. Mais oui. concrètement, il reste fragile, ne serait-ce qu'en fonction du soignant. Auxquels on va être confronté. Oui, parce qu'on a des expériences très différentes. Euh, on peut se retrouver, moi ça a été mon cas, je n'ai jamais avorté, mais euh, un parcours médical fait que parfois on rencontre un médecin gentil, attentionné, parfois quelqu'un qui ne qui vous écoute pas, qui vous fait peut-être mal, euh, pour X raisons. Euh, voilà. Un mais, gynécologue qui vous fait bien comprendre qu'il ouais. réprouve l'IVG. Bah, oui. C'est le cas de Sandra hein, Vizavona, qu'il a vécu. Il lui a dit qu'il était contre. Parce ou alors une infirmière, elle se plaint il de vous le revendre. Qui dit qu'il fallait y penser avant, ou qui vous fait écouter le cœur de l'enfant. C'est interdit. Mm. Et ça existe. Et moi, j'ai un exemple très récent d'une voisine qui s'est arrivée euh, il y a six mois. Et il y a des États américains qui l'ont imposé dans leur législation. Ben, ça, c'est pire, ça. Écouter, euh, de oui, faire non, écouter. C'est pire. <coughs> pire encore, ouais, aux États-Unis, de ça. Enfin, ça devient dingue. Oui. Vous exposez la problématique. Alors voilà, ce sont quelques histoires d'interruptions, douloureuses ou anodines, singulières. Une interruption aussi, je l'espère, quand bien même furtive du silence, de la honte et de la colère. D'ailleurs, c'est le mot interruption qui est utilisé, mm. pas avortement. Parce qu'avortement, c'est un mot qui heurte encore Non, parce que c'est pas seulement. On avorte non, c'est parce que c'est une interruption aussi euh, du silence, une interruption du secret, c'est une interruption de plein de choses. Parce que l'avortement, en fait, ça convoque plein d'autres sujets. Parce qu'on ne le vit pas de la même manière quand on a 16 ans ou 40 ans, quand on, a, quand on est célibataire ou quand on est marié, quand on a des enfants déjà ou pas, quand on est croyante ou pas. Et donc euh, ça convoque aussi l'interruption peut-être de, ben, de, de tabous, mais qui dépasse l'avortement, le silence familial, la sexualité, euh, mmh. le couple, euh, le rapport au travail des femmes qui ont le droit d'avorter aussi pour pouvoir peut-être retarder euh, Madame, ben, la maternité, le... pour pouvoir accéder au marché du travail, pour pouvoir mmh. faire des études. Euh... C'est ça surtout. Vous avez été aussi à l'origine de l'une des premières émissions dédiées aux femmes, oui. euh, et qui s'intitulait Le regard des femmes, on est en 1982. Une émission pour les femmes, sur les femmes et avec des femmes, Eve Ruggeri. Pourquoi ce choix Pourquoi ce choix D'abord parce que je suis une femme, ça c'est indéniable, et en plus parce que je crois qu'on parle bien des choses que l'on connaît bien. Je suis comme beaucoup de femmes. J'ai un mari, une, une petite fille, un gros chien, et puis des parents. Et puis je suis entourée de femmes qui regardent les émissions, qui m'écrivent et qui me parlent de leurs problèmes, qui sont des femmes qui ont sur mon âge, sur plus jeunes, sur plus âgées, qui sont soit des femmes qui travaillent, soit des femmes qui restent chez elles. Et si leur répondre, c'est faire du féminisme, à ce moment-là, je fais du féminisme. C'est pas rien quand même de parler de la place des femmes dès cette époque-là. Vous vous êtes imposée en tant qu'animatrice-productrice dans un milieu très masculin. Et le machisme ambiant de l'époque, vous l'avez expérimenté à vos débuts en radio, où votre co-animateur vous coupait systématiquement la parole. Exactement. Quand vous arriviez à en placer une, il vous glissait avec un petit mot marqué Tais-toi, je te fais virer Oui. Alors, il était très beau. Et toutes les, les filles, c'était sur France Inter, étaient tombées amoureuses de lui, il était blond, il existe toujours. Hein. Il n'est plus blond, il est... Il, enfin, il est. Et donc, euh, you know moi, right. je, je m'étais dit, ça va être très agréable. C'était la première fois que je faisais une émission. Donc, je devais co-animer co avec lui. Et chaque fois que j'essayais de glisser une phrase, il me passait un petit mot de tais-toi. <laughs> donc, euh, moi, j'arrivais, il me disait pas bonjour, il me disait, va chercher mon café. Donc, j'allais chercher le café. Je trouvais que l'ange était plutôt un, un, un diable à ouais. l'intérieur. Et puis un beau bon jour, il m'a passé carrément, t'es tout, je te fais virer. Alors là, oh. répété corésien Je me suis levée, j'ai traversé le couloir, je suis rentrée chez le directeur des programmes. Je lui ai dit, voilà, je viens chercher une augmentation. Et il m'a dit, pourquoi Qu'est-ce que c'est -ce que cette histoire Tu viens de débuter. J'ai dit, oui, mais comme je me fais insulter tous les jours, pour rester, je veux bien rester si je suis augmentée. Et il m'a dit qu'est-ce que je te raconte. Donc j'ai sorti le petit billet que j'ai mis de là. Il n'en revenait pas. Et il a arrangé l'affaire très vite parce qu'il a demandé à Jacqueline Baudrier, euh, qui était émerveillée elle aussi par ces garçons qui étaient vraiment beaux. Il lui s'est pensé qu'il était très puissant puisqu'il avait l'appui de la présidente de Radio France, ce qui n'était pas vrai. Euh, Madame Baudrier était une femme très, très honnête et très loyale. On a fait un déjeuner, comme tous les déjeuners qui doivent servir à quelque chose, ça n'a servi à rien. On a parlé de tout et de rien, le menu était bon, on a bu du champagne, tout Ça allait très bien. Et à la fin, très mondaine, Madame Baudrier a dit, eh bien voilà, je vois que tout le monde est, ah. est... Ah, ah, ah. est... Réconcilié. réconcilié. Et là, j'ai dit, eh, Madame, pas du tout. Donc, il y a eu un silence glacial. J'ai vu que ce JP pâlissait un peu. Et elle me dit, mais enfin, qu'est-ce qui vous arrive J'ai dit, écoutez, voilà. Hum. Est-ce que vous pensez qu'on peut travailler comme ça Moi, ouais. je ne peux plus, en tout cas. Et, Et donc, je l'ai remplacée. Quand vous entendez Judith Godrej, qui, sur la scène des Césars, dit « Je parle, mais je ne vous entends pas euh, », les yeux dans les yeux, avec euh, quasiment toute la famille du cinéma rassemblée devant elle, vous êtes d'accord avec elle Ah oui. C'est la raison pour laquelle vous parlez aussi aujourd'hui Parce que le monde a changé. C'est extraordinaire, la libération de la parole. Les femmes ne sont plus les mêmes. D'ailleurs, c'est nous qui avons changé le monde. Alors, justement, toute cette nouvelle génération, elle ne se rend pas compte de l'apport que nous, nous avons fait, ma génération. Parce que nous, c'était la pilule. Avant la pilule et après la pilule. Vous dites que c'est la première après, grande la date. date. C'est la grande date. Après, il y a eu MeToo, que je trouve magnifique, que j'admire aussi. Mais la grande date, c'était celle-là. C'est-à-dire quand les femmes, tout d'un coup, sont, ont été propriétaires de leur corps et ont commencé à déterminer leur existence, ça a changé le monde. Ça a changé tout. Les rapports entre les personnes, entre les profs et les élèves, entre, dans les familles, tout a changé à ce moment-là. Vous vous sentez plus féministe aujourd'hui qu'il y a 20 ans Oui, Pourquoi, vraiment. Anne Mais Parce que c'est une question qu'on me posait beaucoup au début. et Je, je sais pas, bah quand, moi, je suis née en 65, et le combat des femmes, je sais pas, quand on me demandait ça quand j'avais 20 ans, je me disais, bah, ça va. Euh, voilà. Et en fait, oui, je suis vraiment féministe, mais énormément, parce que je trouve qu'il y a il y a encore je veux dire les mentalités changent surtout chez les jeunes générations mais il y a tellement de enfin voilà, je l'accueil des femmes dans les commissariats, ça s'est amélioré mais c'est pas encore ça. Enfin, on parle tout le monde est d'accord pour que les choses changent mais enfin je sais pas la place des mais actrices. Surtout dans la société. Non, mais la place des actrices depuis 50 ans, la femme des chefs d'entreprise, les femmes politiques, tout ce qu'elles se prennent dans la gueule. Je veux dire, il y a quand même une violence, des attaques des classes dirigeantes françaises envers les femmes, c'est insupportable en fait. Et je trouve que là maintenant les femmes se rebellent et disent ça suffit donc je pense que ça va changer mais cette prise de conscience fait je trouve quand même, pour changer, tu as l'impression que de... c'est vraiment ouais, dur, c'est long. quoi. Vous avez dû avorter, vous, quand vous avez eu 17 ans, euh, avec un homme qui avait la quarantaine. Euh, cet avortement, vous avez dû le faire clandestinement, mm -hmm. dans des conditions terribles. Je suis une, je suis une des victimes de cette époque-là. Euh, je crois que presque toutes les femmes de mon âge ont subir un avortement dans leur jeunesse, parce que ce n'était pas autorisé, parce qu'on allait aller en Suisse ou en Belgique, quelquefois on se faisait charcuter, ça a été mon cas, et moi j'ai payé un prix très cher parce que je suis devenue stérile à cause de ça. Mais je, je, je le dis aujourd'hui avec euh, comme ça un peu de sérénité, parce que j'ai connu d'autres choses, j'ai eu des, des, des relations avec des hommes formidables, mais euh, j'aurais voulu être mère, et c'est une des choses qui me manque, et qui me manquera toujours. Vous adressez à votre fille Alma. Il oui. faut lui dire à quel point sa mère est sous ses faux airs de rebelle, un bon petit soldat qui met tout en œuvre pour que sa fille soit fière d'elle. Une femme à qui il arrive des trucs parfois géniaux, parfois tristes, mais qui s'en sort. Une jeune femme qui n'imaginait pas la vie sans devenir une mère et à laquelle on a annoncé pourtant que ça allait être difficile, voire impossible. Oui, euh, oui, oui. En fait, j'étais je, je, à l'époque euh, célibataire et puis euh, je me suis dit quand même, euh, avançant dans l'âge, je trouve que c'est étrange. Moi, j'ai toujours fait très attention. Euh, à prendre une pilule hein, comme beaucoup de femmes et je me suis dit mais ça m'est jamais ça m'est jamais arrivé j'ai jamais eu de... De... de soucis euh, euh, ou enfin je suis jamais tombée enceinte Heureusement, parce que je, me... je faisais attention mais j'ai quand même une angoisse je me suis dit c'est bizarre j'ai l'impression que ça va jamais m'arriver donc je suis allée faire des examens et puis on me dit euh, bah, effectivement euh, c'est un peu vieillot euh, là-dedans pas vraiment comme ça mais mais presque <laughs> c'est à dire que c'est un peu c'est plus vieux que c'est fragile que... quoi oui ouais. c'est compliqué et je dis c'est à dire et bon, donc, donc j'ai fait pas mal d'examens et ils m'ont dit bah il faut congeler. Et ça a été assez euh, tac tac. Genre bonjour, on se voit chez Picard. Mais bon c'est pas ça, mais c'est un peu c'était un peu violent quand même. Mais c'était devenu une urgence euh, bah, au point d'envisager de faire un bébé toute seule quoi. Bah pas à ce point là, mais en tout cas je me suis dit que si je, je rencontrais quelqu'un, il fallait quand même que que j'ai des réserves. Donc je suis partie congeler euh, en Espagne. On a six là bas. On n'a pas eu besoin. Ça arrivait naturellement. Oui. Alma est née en octobre 2022. Elle a failli oui. s'appeler Noah. Mais c'est oui. le prénom qu'avait choisi la chanteuse Vita euh, pour sa fille. Hein. <laughs> ouais. Vous avez dit, ah bah non, je vais passer pour bah. une copieuse. <laughs> oui. vous avez... Bah, pas pas la mais je me suis dit, comme on est toutes les deux très exposées, je me suis dit quand même, c'est bizarre. De... Et en plus, j'avais déjà fait graver des choses. et J'ai dit, oh non, je vais devoir tout changer. J'ai tout gravé, <laughs> mais euh, c'est avec beaucoup de bienveillance. Euh, vous avez repris le travail dix jours après votre accouchement, ouais. euh, même s'il a été difficile, ce qui arrive souvent, mais qu'on ne raconte jamais. Et ah vous ouais. le racontez, vous voudrez ah tout oui. te dire. Ah oui, c'est hyper, euh, hyper intense, parce que bah, déjà, il faut savoir qu'on fait des métiers, euh, d'un coup ça marche très fort et tu gagnes euh, bien ta vie, et puis d'un coup un peu moins et dans la période de un peu moins bon moi j'ai mon en... enfin quand j'ai été enceinte j'ai tout arrêté c'était tellement une priorité absolue pour moi et je voulais que tout se passe bien donc je voulais rien faire pour vraiment m'occuper que de ce ventre et puis c'est vrai que bah, j'ai pris presque 20 kilos comme beaucoup de mamans, hein. mais derrière quand tu vas travailler, euh, tu n'as pas perdu ces kilos, puis moi j'ai pas réussi à l'été, donc ça n'allait pas, donc tu perds moins vite, et je suis partie travailler avec toutes mes hormones, toute mon émotion, toute l'envie de pleurer toutes les deux secondes, et, euh, et ce corps est, est tout gonflé, tout, machin. donc on voit tout ça, tout de suite, je n'ai pas triché, je ne suis pas revenue, je n'ai pas eu le temps de reprendre le sport, etc. Encore aujourd'hui c'est compliqué, mais <laughs> on n'a pas le temps encore, mais c'est vrai que c'est ouf. Et ça, on ne dit intense. pas. Et vous, il faut le dire, il oh, faut oui, le Il faut le dire, il faut dire la vérité, en fait. Et puis, ah oui. Connu ou pas connu, on a au début, d'être maman, c'est intense, t'es dévoué. C'est mais oui, oui, oui. dire la vérité. L'une des difficultés pour les jeunes femmes dans ce métier, notamment, c'est la maternité. Alors, oui, dans le film, c'est vu comme le risque de mourir à, à chaque fois, mais pour Madame la Comtesse de Grignan, c'est un devoir. Vous dites-vous que ça vous a interrogé sur votre propre rapport à la maternité Certains, d'ailleurs, de vos partenaires masculins, mmh. dans une euh, série dans laquelle vous jouez, vous interrogent. Vous dites alors, c'est pour quand le, le deuxième oui, c'est vrai que ça m'a étonnée. J'ai tourné avec beaucoup de comédiens qui avaient de, des enfants du, 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 du même âge, à peu près de celui de mon fils, et qui me disaient, le deuxième, il arrive quand mm. J'ai dit, mais vous êtes mignon, vous, mais vous, quand votre femme elle tombe enceinte, vous n'avez rien à faire, vous pouvez mm. continuer à tourner. Et, et, eh ouais. et moi, si je tombe enceinte, il ben, y a plusieurs mois où je ne peux plus travailler. Donc, euh, et en même temps, euh, je trouve que c'est assez extraordinaire euh, euh, de faire des enfants. Donc, il euh, ne faut surtout pas que ce soit une entrave. À, un rôle aura, ne sera jamais plus important euh, qu'un... Enfant, euh, en tout cas moi personnellement c'est comme ça que je vois les choses donc euh, donc euh, mais c'est vrai que c'est vrai que un petit peu gonflé quand on entend ça de la part de ses partenaires. Vous êtes tombée de, enceinte deux mois après avoir rencontré le père d'Alma et un mois tout juste après avoir pris la parole publiquement ouais. sur les violences conjugales que ouais, vous fou. avez été victime de 19 à 21 ans et vous pensez que ça a été possible cette maternité parce que vous vous étiez affranchie de ce poids là. Alors moi déjà je suis quelqu'un de très très croyant et, et en, en, dans mes prières je le disais toujours euh, écoute euh, je suis plutôt quelqu'un de gentil, c'est vraiment mon dialogue, chacun prie comme il peut et je disais vraiment je pense être quelqu'un de bon, euh, j'ai un caractère euh, parfois euh, qui peut être agaçant parce que j'ai du caractère en fait tout simplement mais euh, je suis quelqu'un de profondément gentil donc euh, en fait ça me contraint de me dire pourquoi ça m'arrive pas à moi cette chose là et je me dis qu'aussi effectivement avec mes, mon vécu, avec le traumatisme que j'avais avec mon corps et si je ne libère pas cette parole, peut-être que ça ne, ça ne marchera jamais. Et c'est vrai que c'est fou, ça m'est arrivé... Euh... Un mois après C'était fou, c'est fou. Parce que je ne m'attendais vraiment pas, parce que pour moi, c'était déjà impossible naturellement. L'interruption volontaire de grossesse va donc faire son entrée dans la Constitution et est certain. Oui, plus aucun doute. La liberté garantie pour les femmes d'avoir recours à une IVG sera inscrite dans notre loi fondamentale lors d'un congrès à Versailles, réunion solennelle des députés et des sénateurs. Ici, on va le voir des images du dernier vote constitutionnel, c'était la révision de 2008. La voici. Aucune autre n'a abouti depuis 16 ans. Le président de la République s'appelait Nicolas Sarkozy et la garde des sceaux qui portait la réforme était Rachida Dati. Elle est la dernière ministre à avoir scellé une modification constitutionnelle. On la voit ici aux côtés du président de l'Assemblée de l'époque, Bernard Accoyer, avec le sceau de la République dont elle était dépositaire et qui est la raison d'être de la fonction et du titre. De garde des Sceaux. Lundi, ce sera donc Éric Dupont-Moretti. Avec Emmanuel Macron qui s'exprimera en premier. C'est la seule occasion où le président peut s'adresser directement aux parlementaires. Pourquoi pas de suspense lundi À cause du large consensus obtenu dans les deux chambres. 493 députés et 267 sénateurs ont approuvé le, le même texte. C'est environ 200 voix de plus que la majorité des 3 cinquièmes nécessaires à la révision. Au Sénat, hier soir, il était presque 20 heures quand le résultat du vote a été. Est proclamé et acclamé. Pour 267 contre 50, le Sénat a adopté. Je suis convaincu que d'autres femmes vont entamer des combats similaires dans d'autres pays européens. Et quant aux écologistes, nous allons continuer à faire campagne pour que ce droit fondamental ne soit pas simplement inscrit dans les constitutions nationales, mais puisse être, devenir un droit fondamental européen pour que plus jamais des autocrates au sein de l'Union européenne puissent priver les femmes de leurs droits fondamentaux. Mélanie Vogel, la sénatrice écologiste qui a porté dans la Chambre basse un combat qui était loin d'être gagné au départ, la preuve par le rare désaveu subi par Gérard Larcher, le président du Sénat, qui répétait que la Constitution ne devait pas être un, un catalogue de droits sociaux et sociétaux, et qui n'a pas vu l'évolution de la société et celle de son propre groupe politique. Il y a un an et demi, la plupart des sénateurs LR avaient voté contre une proposition précédente. Hier soir, 72 ont voté pour. 41 contre seulement, dont le chef du groupe Bruno Retaillot. Pression de l'opinion, des féministes, des femmes et filles de, de sénateurs, on en parlait hier ici même, des célébrités, je pense à Sophie Marceau apostrophant Gérard Larcher sur Instagram, vous faites honte à la société française. Et voilà l'aboutissement d'un combat, combat à la paternité multiple. Jean-Luc Mélenchon, qui le premier avait appelé à inscrire l'IVG dans la Constitution, c'était dans son programme présidentiel de 2012. Aurore Berger, alors chef du groupe Renaissance, qui relance la bataille en même temps que Mathilde Panot en 2022 après la, la, le revirement américain de la, la Cour suprême. Emmanuel Macron, qui en fait la promesse il y a un an lors d'un hommage national à Gisèle Halimi. Les grandes réformes sont toujours celles qui dépassent les clivages. Une réforme historique. Oui, sûrement, même si l'expression est, est galvaudée, vous savez aujourd'hui, même les audiences télé sont euh, historiques euh, dans les communiqués qu'on reçoit tous les jours. En vérité, il faudrait garder le mot historique pour ce qui change le cours de l'histoire. C'est pour cela que la loi portée par Simone Veil en 1975 a été réellement historique. Sa constitutionnalisation n'a pas la même portée, ou du moins elle n'a pas les mêmes... Conséquence, sauf si elle ouvre la voie à d'autres avancées pour les droits des femmes en France, parce que l'accès à l'avortement y reste imparfait et inégal dans le monde, partout où il est menacé. C'est le sens de ce que disait Mélanie Fogel il y a une minute, et notamment en Europe. La France, en montrant l'exemple, en devenant le premier pays au monde à sanctuariser le droit à l'avortement, à lui donner explicitement une protection constitutionnelle, prend aux yeux du monde effectivement une décision historique. Et la France prouve qu'elle ne se droitise pas, en tout cas pas sur les questions de société, parce qu'on dit souvent la France est de plus en plus à droite, pas sur ces questions-là. Hein. Non, non, pas sur, les, pas sur les questions sociétales. On l'a vu euh, également il y a quelques années sur la question de, du droit des, des homosexuels et des couples homosexuels. Il y a une décrispation très forte de la société française. Vous rappeliez le, le vote de la loi, loi Veille. En 1975, donc on a retrouvé les, des sondages de l'époque de, de l'Ifop. À l'époque, en 74, il y avait que 48% de Français qui étaient favorables à ce que des femmes puissent à, euh, pour, euh, bénéficier d'un IVG euh, de la part d'un médecin. Euh, et aujourd'hui, on est à 77%. On a gagné 30 points en deux générations. Et là, il y avait 40, 86% de la population là, qui on... était favorable. à Exactement. On a à plus de 80% de de la dans toutes les familles politiques, y compris, euh, y compris à droite. Et on se souvient de la, la, la genèse de la, la dernière phase de, de ce débat, c'était quand aux États-Unis ce, ce droit a été remis en question. Et on voit que pour le coup, on a une opinion publique française et américaine qui ne sont pas du tout à l'unisson. Euh, quand on avait sondé à l'IFOP en novembre 2022, au moment de, de ce qui se passait aux États-Unis, 81% des Français étaient euh, favorables à la, à, au droit d'avorter librement, sans restriction, alors que c'était que 50%. Aux États-Unis. 30% des Américains disent pourquoi pas, mais sous condition. Et donc on voit que sur ces sujets sociétaux, euh, l'opinion publique française, dans sa très grande diversité, est très en phase avec ces, ces évolutions-là. Est-ce que cette inscription, la liberté garantie de l'IVG dans la Constitution, sera portée au crédit d'Emmanuel Macron ou au crédit de l'ensemble de la classe politique Alors, On peut dire que c'est lui qui l'a. C'est sous son, sous son mandat que ce, ce, cette décision a été prise. Néanmoins, comme vous le rappeliez, euh, il n'en a pas la paternité. Les, ouais. pères les pères sont multiples. Même si c'est un projet du gouvernement, qui a été voté quand même. Hein, Et on, on, on voit aussi euh, ce que Emmanuel Macron euh, cherche à faire, c'est-à-dire à inscrire euh, à son euh, à son bilan un certain nombre d'avancées sociétales, donc qui seraient, sont, qui seront peut-être complétées par ce qui se passera sur euh, sur la, la fin de vie. Pourquoi est-ce que c'est si important que ce soit inscrit dans la constitution Alors moi, je, je vous avoue, j'avais pas d'avis. Et c'est en parlant avec des juristes, avec Sandra aussi, que maintenant j'ai un avis tout à fait clair. D'abord parce qu'une loi ne portera jamais assez. On peut toujours atteindre la loi, une loi simple, en déremboursant par exemple l'IVG. Euh, S'il est dans la Constitution, le Conseil constitutionnel pourra tout d'un coup intervenir et dire attention, c'est un droit a priori garanti. Euh, c'est indispensable parce que c'est un droit qui est toujours mis en danger. On peut descendre dans la rue. Et quand M. Larcher dit qu'il ne faut pas que ce soit un catalogue, oui. Des droits sociétaux, mais on ne descend pas dans la rue contre le droit au logement, contre le droit à la santé. On descend contre le droit à l'avortement. Et c'est un droit vital parce que, qu'il y ait la loi ou pas, les femmes avortent, donc au péril de leur vie. Donc c'est une nécessité absolue. Et puis, je pense que c'est un symbole aujourd'hui pour les générations futures, au même titre que l'abolition de la peine de mort, et à l'international. Moi, je me réjouis que, que ce soit fait, qu'on envoie ce message fort. Au monde. Je pense que c'est le premier pays au monde qui met ça dans sa constitution. Et c'est un message fort pour toutes les femmes de, de la planète. C'est bien. Qu'on imagine votre émotion en voyant l'inscription de l'IVG dans la constitution oh, française Quelle merveille Surtout qu'il faut être prudent, parce qu'on ne sait pas quel serait le gouvernement qu'on aura demain et que, qui, qui, qui peut s'amuser à, à, à diminuer les libertés féminines. Non, 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 c'est génial qu'on ait fait ça. Et il était temps. La France ne s'est pas toujours distinguée. On a été un peu les derniers pour la peine de mort, on a été les derniers pour le droit de vote. Donc euh, euh, bravo, bravo. au moins sur cette question-là, la France s'est distinguée. La tresse, c'est l'histoire de, de femmes fortes qui ne faiblissent pas devant euh, l'adversité. Un thème qui est devenu une marque de fabrique pour vous, on le retrouve souvent dans, dans vos œuvres. On peut citer euh, Les Victorieuses qui a été vendue à près de 500 000 exemplaires. Ça, c'est votre deuxième roman. Le troisième, Le cerf-volant, 400 000 ventes euh, en France. Ce succès incroyable, c'est la preuve que les femmes ont encore besoin d'être euh, encouragées avec de beaux portraits de femmes et des... Et des femmes qui peuvent les relever, surtout, ou leur donner envie de se relever En, en fait, moi, je me sens, euh, en tant que créatrice, je me sens inspirée par les femmes qui m'entourent, par les femmes que je rencontre. J'aime voyager, j'ai voyagé aux quatre coins du monde, et à chaque fois, j'essaye de parler avec les femmes que je rencontre. J'aime qu'elles me racontent leurs combats, leurs espoirs, leurs difficultés, leur quotidien. Et je crois que ce sont leurs témoignages qui, qui m'inspirent, qui me donnent envie d'écrire, en fait. Et c'est vrai que euh, la tresse, je l'ai conçue comme une forme d'hommage. Mais c'est aussi vrai pour mes, mes autres livres. Euh, ce sont des hommages quelque part aux, aux femmes fortes, courageuses que je rencontre, qui sont ni des femmes objets, ni des victimes, qui sont des femmes euh, qui se battent pour leur liberté. Ça, ça me, ça me plaît et, et ça m'inspire et j'ai envie de porter leur voix. Votre cinéma, il est visionnaire avec un sens des dialogues et des punchlines remarquables. Quand dans la crise, Zabou explique à son compagnon qu'elle ne veut pas cohabiter, c'est absolument génial. Pardon, mais j'utilise le mot à dessein. On en 1992, j'ai 22 ans et je citais Coline Serrault dans le texte pour revendiquer ma liberté. Plus près de moi aujourd'hui, qui me concerne plus, le monologue de Maria Pacôme qui revendique une sexualité épanouie quitte à quitter son mari pour le voisin, M. Borin, sous le regard sidéré de sa fille et de son fils incarné par Vincent Ladon. C'est un monologue que vous rejouez sur scène et dont vous avez bien voulu nous interpréter ce soir, un extrait. Si vous voulez. Alors c'est... Lisa, qui est la sœur de Vincent et qui est la, la fille, qui dit C'est pas une histoire d'amour ce que tu vis, tout ce qui t'intéresse c'est de t'envoyer en l'air. Et la mère répond Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air. Et ça t'intéresse pas toi et, et même si c'était qu'une belle histoire de cul, j'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul, moi mais ils sont insensés tous les deux. Mais comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre Vous croyez que je vous ai fait avec mes oreilles Mais non, je vous ai fait avec mon cul, mes petits poussins. Même qu'à l'époque c'était drôlement chouette le cul avec votre père. Mais voilà, maintenant, bon, il se passe plus grand chose entre nous. Alors, ça vous fait peut-être pas plaisir de l'entendre, mais votre mère elle a un cul <laughs> qui va très bien, qui va même mieux que jamais. Et puis il y a autre chose que vous voulez pas entendre. Je suis amoureuse. Je suis Heureuse, je nage dans le bonheur. <laughs> bravo, chère <laughs> Colline. Cette... Et, et bravo de l'avoir écrit aussi, <laughs> d'avoir écrit tous ces dialogues merveilleux. Sortie d'un coup, cette tirade. Oui, je ne sais pas pourquoi. Il y a des trucs comme ça, ça, ça vient de. <rire> <rire> et les femmes vous arrêtent dans la rue pour vous les réciter aujourd'hui. Des femmes et des hommes, d'ailleurs. Ce et qui ça, montre que ça, les choses ont changé. Et ça, ça me fait très plaisir, que ça, que ça a aussi libéré les hommes de leur, du poids de la culpabilité et vis-à-vis euh, -vis de leur mère, est-ce qu'elle est heureuse, est-ce que, est que je peux... Me... Non, on peut couper le cordon, ça va, ils vont grandir, ils vont... Et, et, et nous, on va vivre très très bien, aussi les mères. Oh. <laughs> Mais j'ai adoré que les hommes aiment cette, cette tirade. Ce sont des auteurs à succès Philippe Besson, Maxime Chatham, Amélie Nothomb, Daniel Pennac ou encore Guillaume Musso et Joël Dicker, tous très conscients du pouvoir de leurs mots. Moi, ce que j'aime chez vous, c'est qu'on n'est jamais déçu. Bon, à croire, merci. je ne suis jamais déçu à croire que vous écrivez pour moi. <laughs> mais c'est vrai parce que nos échanges sur le plateau de' CETA vous se suivent et se ressemblent à chaque fois je vous dis que j'aime vos livres et à chaque fois vous me répondez que vous avez le trac à chaque nouvelle parution oui. vous avez peur que le lecteur soit pas au rendez vous sérieux J'ai peur que le lecteur soit pas au rendez vous mais j'ai peur aussi que le lecteur soit déçu euh, les lecteurs qui me font confiance depuis 12 ans maintenant il y a quelque chose qui s'est créé quand même hein, que je vois en librairie euh, dans les, dans les lettres qu'on m'envoie il, il y a un lien très spécial. Et j'ai toujours envie de me montrer à la hauteur de cette confiance, de ce lien, de ces gens qui me disent bah, J'ai lu votre livre dans un moment un peu dur et grâce à vous, bah, je me suis senti un peu mieux. Et en fait, c'est pas grand chose, justement, et c'est beaucoup. Et j'ai envie à chaque fois d'être à la hauteur de tout cet amour qu'on me donne et qui me touche beaucoup. Il n'était pas préparé, il était parfaitement habitué. Et Romy, elle, s'était figée, terrifiée. Les muscles tétanisés par un réflexe ancestral de survie. Faire le mort. Ne plus bouger d'un iota pour espérer. Échapper à l'attention du prédateur. C'était la commande de base du cerveau lorsqu'il était en panique, face à un danger et qui n'était pas entraîné à y répondre. Elle ne contrôlait plus rien, choquée par la compréhension de la mort qui la fixait. Trois mètres. René n'avait peut-être pas perdu tous ses instincts, car il grognait. Ou bien il reconnaissait celui qui lui avait fait du mal. Bonsoir Maxime Chatham. Bonsoir, le je... <laughs> Exactement, je vous les présente par ordre d'apparition. Alors on a vu d'abord Laura Sénéchal, Monsieur 5 sur 5 ici présent euh, Raphaël Gallo, productrice euh, euh, artistique Victor Benini qui est journaliste pour C'est à vous Déborah Veil, productrice éditoriale de C'est à vous et Christian Desplaces. Rédacteur en chef, mais aussi The Voice. Il euh... y a du lourd, hein. Ah ouais. Ah C'est le, ah ouais. le sommet du. Je vais du... À, à mon éditeur de, de les prendre pour lire les livres. Vous savez, on fait beaucoup de livres lus maintenant et. Ah <laughs> mais oui. Mais vous avez vu leur tête quand ils lisent Est-ce que vous imaginez la tête de vos lectrices et de vos lecteurs lorsque vous écrivez non, mais il faudrait voir la mienne quand j'écris déjà, je pense. Vous vous, vous auto-terrifiez Non, globalement, ça dépend. Ça m'arrive parfois d'être tellement plongé dans une atmosphère, dans l'ambiance, etc. En plus, j'écris avec de la musique. Hyper forte. Oui, très forte pour qu'on me foute la paix. Oui, c'est <laughs> ça, c'est le message. N'emmerdez pas, papa. Ouais, c'est un, un peu, peu ça. Vos enfants. Ouais, voilà. et, et donc, c'est vrai que parfois, entre la musique, la concentration, je suis dans le truc, je suis avec les mots, les personnages, il peut m'arriver, si une porte claque ou si un coup de vent, un truc d'être un peu de surpris moi-même. Pas de meurtre, mais il y a un suspense fou. Ensuite, c'est un livre qui est très rassurant parce que vous mettez en scène un, un couple parfait qu'on déteste, <laughs> agaçant. Sophie Arpad, elle est avocate, elle est sublime. Il est dans la finance, elle est classe, il est beau, il est musclé. Ils habitent une maison d'architecte, ils roulent en Porsche, ils ont des enfants qu'on n'entend jamais, qu'ils font jamais aucune histoire. Leurs voisins voudraient tant leur ressembler, sauf que bah, les apparences sont trompeuses. Et c'est là le, le cœur du livre, c'est oui. de vous expliquer qu'on on est dans un monde qui se met en scène tout le temps et qui ne dit pas la vérité. Oui, complètement. C'est les apparences de ce qu'on veut montrer. C'est les apparences aussi pour ce couple de ce que les gens voient d'eux. Parce qu'ils ne se présentent pas toujours comme si parfaits, etc. C'est comme ça que les voisins les voient aussi. Mmh. Donc il y a cette projection dans les apparences qui est ce fantasme, ce qu'on aimerait. Parce qu'au fond, on aimerait que le couple parfait existe vraiment. On aimerait que ça puisse être possible. Parce que si c'est possible pour les autres, alors peut-être que c'est possible pour nous. Mmh. Mais on sait que la réalité... Est un... est très différente. Oui, c'est un livre où on est tous voyeurs aussi, un peu comme l'un des voyeurs. personnages. Oui, mais c'est particulier parce que c'est un des. Sur mes précédents c'est un des premiers qui a la troisième personne. Donc le narrateur, euh, il voit tout. Donc Les le lecteur ouais. voit tout. C'est un narrateur omniscient qui emmène le lecteur comme sur la couverture qu'on voit ici, où le lecteur, il regarde quelqu'un qui regarde quelqu'un. Et ça nous met dans une position, nous lecteurs, euh, un peu étrange parfois. Alors je vais citer l'une des phrases d'accroche qui. Euh vous oui. emmène jusqu'au bout des 350 pages oui, de page. ce dernier thriller. En reconnaissant les traits de son agresseur, Oriana fut saisie d'effroi et comprit que toute lutte était vaine. Voilà, c'est le début, euh, Oriana c'est votre héroïne, elle est agressée sauvagement sur son yacht de luxe et ce n'est pas un narrateur qui, euh, donne, euh, qui raconte cette histoire, mais quatre. Euh, la victime, Oriana, la femme flic qui enquête, le mari de la victime et sa maîtresse. Aucun ne ment, mais ils n'ont pas la même version euh, de cette histoire. Et euh, comme ça, le lecteur peut jouer, c'est ça oui. Jouer et, et deviner, essayer de faire son enquête lui-même. Exactement, c'est euh, assumé. Pérec disait, la littérature est un jeu qui se joue à deux. Georges Pérec. Voilà. Et là, vous avez effectivement tous les éléments pour... Euh, progresser en même temps que l'enquêtrice vers le, diabolique. le final. Et, et le final à la dernière ligne. La dernière ligne. Et ça, c'est euh... voilà. ouais, ça fait 20 et, et... ans que j'essayais en fait ouais. de trouver une histoire qui puisse être euh, racontée euh, ah oui. comme, en, ça, en avec, comme ça, à quatre, avec ouais. des surprises pour chaque personnage qui ne sont pas ce qu'ils donnent l'impression d'être au début Absolument. du livre. Bah ben oui, cette, cette thématique des, <laughs> des secrets et des apparences. C'est pas un polar ni un roman d'horreur, c'est plutôt. Alors vous n'aimez pas le terme, un roman d'anticipation. Parce que vous imaginez le monde des années 2050, où un phénomène vient de se produire au-dessus de l'océan Atlantique, une première dans l'histoire de l'humanité que personne ne peut s'expliquer, ni les religieux, ni les scientifiques. Et alors ça fait quand même un peu peur, mais vous nous faites peur avec euh, des vraies peurs collectives sur oui. l'état du monde actuel, en réalité. En fait, c'est l'idée du livre. Même pas un, pour moi, c'est même pas un roman d'anticipation, c'est un prétexte. Je ne me suis pas intéressé à ce qu'elle est réellement le monde dans 15 ou 20 ans, ça m'intéressait pas. Ce qui m'intéressait, c'était de parler. De l'état du monde actuel, de la société, et juste de pouvoir avoir un prétexte pour accentuer un tout petit peu ça, pour dire en gros, euh, si on fait rien et si ça dégénère, voilà ce que ça pourrait donner. Et dans ce contexte-là, j'ai cette histoire, ce point de départ que vous venez d'évoquer, les personnages, l'histoire les, les, d'une mère et sa fille, mmh. qui vont être embarqués pour essayer de comprendre ce que c'est que ce phénomène. Et tout ça, c'est des prétextes en fait pour parler de nos peurs collectives actuelles. Vous le savez, je vous ai écrit, j'ai aimé un soir d'été, j'ai oui. encore pleuré, j'ai été frappée par les résonances de ce roman avec l'actualité, notamment les souffrances et les dangers euh, auxquels font face les adolescents, la façon dont on ne sait pas les voir, dont on ne sait pas les prévenir. Vous nous présentez une bande de jeunes, un peu indolents, oisifs, mais ce qu'ils ignorent et ce qu'ignore le lecteur, c'est qu'une épée de Damoclès est au-dessus de leur tête. Oui, c'est ça, c'est en fait euh, cette bande de jeunes gens que nous étions dans l'été 85, une bande d'amis qui se connaissent depuis longtemps pour une part et à, au, à, bande à laquelle s'agrègent d'autres qui sont juste là pour quelques jours ou quelques semaines ou depuis quelques semaines. Et on pense que tout va bien que l'avenir nous appartient, que rien n'est important, que tout est possible, on va effectivement danser euh, et on a comme seul objectif grosso modo d'aller à la plage et d'aller en boîte de nuit. Et puis à un moment, on va être confronté à une situation qui, qui va nous faire perdre notre innocence, notre insouciance, et on va comprendre qu'au fond, la vie est une chose un peu fragile et qu'elle peut nous échapper des mains euh, très vite. Le drame, c'est la disparition de l'un des membres de la bande, oui. qui s'appelle Nicolas. Mmh. Et ça met spontanément fin à l'innocence de cette bande et ça force tout le monde à se poser des questions. Euh, est-ce qu'on connaît vraiment les gens qui nous entourent et est-ce qu'on ne passe pas à côté les uns des autres Oui, c'est un truc qui m'obsède, ça. Il y avait déjà ça, finalement, dans le dernier livre aussi, dans « Ceci n'est pas un fait divers ». C'est-à-dire on est à côté des gens et puis on voit pas. On voit pas parce qu'on est dans nos égoïsmes particuliers, on est dans, dans nos vies à nous et qu'on est dans notre insouciance et que qu'on voilà, qu pense que rien, encore une fois, rien n'est important. Et puis il y a des gens qui appellent au secours peut-être à côté en silence. Il y a des gens qui envoient des petits signaux, mais ces signaux sont faibles. Il y a des gens qui laissent des indices, mais on ne fait pas attention parce qu'ils sont trop ténus. Et puis à un moment, quand le drame surgit, on refait le film à l'envers et on dit c'était là sous nos yeux et puis on n'a pas fait attention. On a, c'est trop tard. Et cette idée du trop tard, moi, elle m'obsède toujours. C'est-à-dire on pouvait sauver des gens peut-être et on ne les a pas sauvés. Et, et c'est ça qui nous Précipite dans l'âge adulte d'une certaine manière parce qu'au fond quand on a 18 ans la question de la finitude on se la pose jamais la question de la disparition de la mort on ne se la pose pas on se dit que si déjà on arrive à 40 ans ça sera merveilleux bon et moi enfin le jour où je serai je vous en parlerai mais mais donc mais c'est ça le truc c'est là tout d'un coup on est confronté à quelque chose à quoi on n'était pas préparé et ça vous ça vous bouleverse et ça vous bouscule oui c'est ça c'est l'idée que la jeunesse est une chose extrêmement fragile est-ce que vous seriez le même écrivain sans l'actu je crois pas en fait, avant, j'aurais pu dire non, etc. Mais je crois que c'est très, très important d'être connecté au monde et à son époque. Et, et le journaliste, pour moi, c'est le plus grand et le plus beau des métiers. Et ça permet d'être connecté à, à, ouais, à, à l'époque, au monde, à être, à être vraiment présent. Quoi. Alors, même si ça ne se sent pas dans mes romans, parce que je ne sais pas si. pas des romans d'actualité. non, pas du tout. Mais je crois que ça compte énormément. Je ne serais pas le même écrivain si je n'avais pas ce prisme-là. Vous puisez dans votre propre histoire et dans votre vécu euh, des histoires qui, qui nourrissent vos livres, qui ne sont sont pas tout à fait euh, les histoires que vous avez vécues, mais qui sont l'essentiel. Que, quel, quel est le dosage Est-ce que le dosage diffère d'un livre à l'autre entre la... Entre la réalité de ce que vous avez vécu et la, et la fiction. Oui, pendant longtemps le dosage était en faveur de la fiction. C'est-à-dire je me cachais derrière mes personnages, mes histoires. J'adorais raconter des histoires. C'est très agréable et puis de faire appel à son imagination, c'est très agréable. Et puis tout d'un coup, je me rends compte que le travail de mémoire l'emporte un peu plus que le, que le recours à l'imagination et que de plus en plus j'ai envie d'aller puiser des choses de ma jeunesse ou d'ailleurs pas, mais en fait du passé et de raconter quelque chose de moi, mais toujours avec l'idée. Alors peut-être c'est très nombriliste, je ne sais rien, peut-être ça là mais en tout cas ma volonté c'est plutôt de dire est-ce qu'un moment ça fait littérature, est-ce que cette histoire-là euh, parce qu'elle est très intime elle ne peut pas prétendre à une forme d'universel parce qu'au fond tout le monde a eu 18 ans tout le monde a été confronté à un moment, à un drame à un accident, à quelque chose. vous de la littérature Oui, j'essaie de faire en sorte que tout d'un coup ça tende un miroir et que les gens se laissent embarquer dans l'histoire et qu'ils ne soient pas en train de lire mon histoire à moi qui finalement n'a pas d'intérêt mais qui lisent quelque chose qui, qui les bouleverse eux parce que ça les renvoie à leurs propres inquiétudes, leurs propres sentiments, et à ces épées de Damoclès précisément qui mmh. pèsent au-dessus de nos têtes. Vous parlez de vous aussi un peu dans ce roman, euh, notamment au travers de votre pr personnage principal, ouais. Zoé, qui est romancière, et vous dites que c'est la femme que vous êtes. Oui, certainement, d'une manière, bah, certaine manière. Alors pas dans ces angoisses de romancière, parce que pour le coup, euh, c'est ça que j'aime dans ce métier, c'est de pouvoir noyer ce que je ne suis pas, de créer des choses que je ne pense pas, avec ce que je suis aussi. Mais c'est vrai que dans ce roman, il y a une... Probablement encore plus de moi dans ce livre que dans tous mes romans précédents, à travers plusieurs personnages. Zoé, mais même Romi, sa fille. Il y a des tas de trucs où c'est un peu moi, c'est un peu ma femme, c'est un peu mes enfants. Les conversations qu'elles ont, c'est des conversations qu'on a nous à la femme, enfin dans la famille, à la maison. Donc il y a beaucoup de moi dans ce livre, euh, probablement parce que c'est un livre qui parle. Euh, Pro, encore plus que mes livres précédents du monde dans lequel je vis aujourd'hui. D'habitude, je fais des bouquins qui font un peu peur. J'aime bien jouer avec nos, nos, avec nos, nerfs. Mais là, oui, il y a encore ce prétexte du divertissement parce que c'est un divertissement avant tout. Mais euh, j'aime bien aussi raconter peut-être. Le monde dans lequel je vis moi, tel que je le vois, euh, avec mes angoisses et peut-être mes espoirs de solutions. Bonsoir, Mokhtar Amoudi. Bonsoir. Merci oui. de votre présence ce soir à l'occasion de ce Prix Goncourt des détenus qui couronne votre premier roman, Les Conditions idéales chez Gallimard. Ce prix, c'est un prix magnifique. Absolument, oui. Euh, D'abord, euh, c'est tellement rare de gagner que ça fait du bien. <laughs> Ensuite, euh, c'est surtout pour les détenus, je crois. Euh, on a visité avec mes consoeurs et confrères euh, que je salue. Euh, pas mal de prisons. Et donc, ce monde euh, que moi je ne connaissais pas, euh, je connaissais simplement de mon adolescence, mais comme un, une sorte de mirage. Euh, et euh, on va là-bas et on découvre qu'il y a des personnes qu'on ne connaît pas, on ne sait pas pourquoi pour ils y sont, hein, c'est le pacte. Et alors, ils se mettent à vous parler de, de votre livre. Euh, c'est des débats, on essaie de. Bon, on discute avec eux, il y a des jeunes, des moins jeunes, des gens qui vous ressemblent ou non. Et. Euh, ça, fait des, ça a fait des échanges assez nourris, mais on n'oublie pas que c'est un jury, donc il faut savoir euh, bien se défendre, et euh, ça a fait des rencontres absolument magnifiques. Vous avez eu l'occasion d'expliquer que c'est dans votre propre vie que vous avez puisé euh, l'histoire de, euh, de Scander. Vous êtes, euh, comme votre personnage, un, un enfant de l'ASE, euh, l'aide sociale à l'enfance. Vous avez, comme lui, connu euh, des banlieues difficiles, et vous avez, comme lui, une passion pour le dictionnaire, et particulièrement pour les page rose du Pilarus. Vous êtes toujours familier des locutions latines qu'il y a dans, le, dans les pages roses euh, bah Écoutez, je me suis remis au dictionnaire puisqu'il faut que, maintenant que tout cela s'achève ici d'ailleurs, c'est très bien, il faut réécrire et donc il y a tout un travail ouais. de retour au français, à la langue, puisque dans ce pays on a une chose magnifique, c'est, parmi d'autres en tout cas c'est la langue, il faut la travailler et effectivement les locutions latines courantes, c'était un... un dans les années 90, hein, je me souviens, j'avais le Larousse marron, vous voyez. Oui. Et alors j'apprenais ça par cœur, euh, parce que je suis un peu comme le personnage, un petit singe savant qui aime bien apprendre, et puis ensuite qui va demander aux autres vous... euh, ce que ça veut dire. Oui. On a envie de mettre des claques, quoi. <rire> <rire> Elles vous sont restées Oh certaines oui, certaines oui, mais euh... Il y avait aussi les proverbes, etc. Ah, des proverbes. Ah, ouais, 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 et vous ouais. appreniez par cœur. Ouais. Ouais, 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 mais, et, euh, oui, j'ai essayé les poèmes, mais ça, j'ai grandi. Euh, <laughs> la mémoire est un peu déformée désormais. Ça rentre moins. 32e <laughs> livre paru, à Amélie, mais 107 livres écrits, trois refus de manuscrits. Et vous disiez à nos confrères des Échos l'un est c'était <coughs> mes expériences avec l'Aïa Uesca. Oui. merci. Légal au Pérou, mais pas en France. Et, et c'est vrai. Et puis vous ajoutez qu'il y en a un autre qui était un peu trop provocateur. Et puis il y a un autre qui était euh, déprimant. déprimant. Euh, <laughs> et alors, est-ce que c'est vrai que, comme vous le suggérez, vous souhaiteriez que vos manuscrits refusés soit enfermés dans un bloc de résine scellé, <laughs> idéalement au Vatican. Alors, pas mes manuscrits refusés, tous mes manuscrits... Tous, mes manuscrits. tous ceux qui n'auront pas été publiés, et ils sont okay. extrêmement nombreux, bah puisque je n'en ai somme toute publié que 32 alors que je suis en train d'écrire le 108e, et que je vais encore en écrire beaucoup, de manière qu'ils soient à la fois préservés, car je ne veux en aucun cas qu'ils soient détruits, mais qu'ils soient tout à fait inaccessibles. La parade, c'est de les couler tous dans un énorme bloc de résine et pour que ce bloc de résine soit encore plus inaccessible, de le léguer au Vatican. Je ne sais pas si le Vatican acceptera. Oui, la demande n'a pas, pas encore question. été formulée. Mais je me rapproche. La Dernièrement, j'ai eu l'occasion de rencontrer le pape, donc je me dis que j'ai déjà un pied dans la place. La prochaine <laughs> étape, c'est que j'apporte le bloc de résine. Mais c'est intéressant, vous ne voulez pas les détruire en revanche Non, ce vous sont, voulez soient inaccessibles, ce mais sont mes enfants. À... Ah, voilà. Ce sont mes enfants, je ne peux pas vouloir que mes enfants soient détruits. Xavier, cette année, en plus du 1945 sur M6, on vous entend dans un nouveau rendez-vous culturel sur RTL. Euh, avec un clin d'œil à SIDC, mais on est en français ACDC, au cœur de la création. Voici le concept exposé par Bédé. Moi, je pense qu'un teaser euh, professionnel, c'est de dire euh, les gars, euh, qu'est-ce que vous avez de mieux à faire euh, que d'écouter euh, mon émission avec Xavier Demoulin C'est pas un interview, hein, c'est une conversation entre collègues, s'il est, est romancier comme moi. Donc on parle un peu, euh, voilà. C'est un peu comme si vous étiez euh, dans l'arrière-boutique euh, chez le boucher et qu'il vous expliquait comment il découpe euh, les, les côtes de bœuf. En fait, plus sérieusement, <laughs> c est c est les, les, il le dit avec... Euh... Euh, une pirouette, mais c'est les coulisses de la création. C'est ça, c'est le cœur de la création, c'est le moteur créatif de, de, de chacun. Je vois plein d'artistes différents, c'est un podcast et diffusé aussi en linéaire le, le dimanche soir. Moi, j'adore ce moment. Ça permet de, de rencontrer plein de gens, plein d'énergies différentes, euh, des chefs d'orchestre, des danseurs, euh, des écrivains, des chanteurs. Euh, c'est très inspirant, euh, plaisant à faire et ça change de la noirceur du monde. Euh, du quotidien quoi. Voilà, donc vous recevez ah, okay. David Foyenquino Cécile Coulon, Olivier Adam euh, mais maintenant que vous avez sorti votre roman vous allez les tacler alors je sais pas, si... non, ce n'est pas l'idée, l'idée c'est de s'intéresser aux autres et de leur moteur, leur moteur créatif. Non, moi je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Et chacun a une méthode d'écriture différente, c'est marrant bon. chez les écrivains par exemple. C'est quoi votre méthode à vous ben, Moi c'est un peu tous les jours. Euh, voilà, ça peut être très tôt le matin, ça peut être un peu tard le soir, ça dépend si je fais le JT ou pas. Mais oui, donc c'est pas euh... une méthode quoi si non, c est... C est non, si, non, mais Pardon. si, la, ma méthode c'est un peu chaque jour. C'est d'avoir rendez-vous chaque jour avec un texte et l'attendre, et attendre que ça sorte, ça sort ou ça sort pas, parfois c'est un paragraphe, parfois c'est une page, deux pages, trois pages, parfois c'est plus, pas attendre d'avoir le temps, mais voler le temps pour faire ce qu'on aime. Mais vous êtes comment euh, dans le il enfin, Vous noir. avez des rituels Oui, voilà, merci ouais, des être... rituels Non, parce que je... mon rituel, c'est de me... de me mettre dans ma bulle et j'écris oui dans le noir, ouais. Sérieux? Euh, ben ouais, j'ai besoin d'être dans le noir et, et à, à, à la lumière de mon, de, de, de mon ordinateur, ce qui fait hurler ma femme et mes enfants. J'ai besoin de voir un vampire. Il <laughs> faut que tout soit noir et je me mets voilà, avec mon ordinateur et j'écris dans mon lit. Je suis fasciné par vos rituels d'écriture, <laughs> Amélie Nothon, tels que vous les racontez au fil des, des interviews. Ça m'intéresse en général, j'aime beaucoup cette question poser aux écrivains comment écrivez-vous euh, et, et quelle est la, la façon dont vous mettez euh, vos idées sur le, sur le papier. Vous, c'est 4 euh, heures d'écriture quotidienne, c'est quand l'inspiration ne vient pas, une façon de, de, de faire le geste d'écrire euh, euh, dans l'air, dans dans les... oui. vous écrivez sur vos genoux et j'ai lu que vous ne raturez jamais. Ça veut dire que vous... <laughs> Euh, pensez vos phrases, vous pensez dans votre tête avant de les coucher sur le papier. Il n'y a jamais de rature. Il y a des ratures, mais elles sont insignifiantes. Euh, une rature importante pour moi, c'est le livre qui est, qui est fichu. C est, c est, vraiment, c'est pour ça aussi que je dis que écrire, c'est voler. On ne peut pas se permettre de graves erreurs en écrivant. Si on est sur son fil. Euh, Qu'est-ce que le style de l'écrivain le, le style de l'écrivain, c'est l'ensemble des techniques qu'il développe pour ne pas s'effondrer. Quand on écrit, on sent vraiment le vide sous ses pieds. On a tout le temps l'impression qu'on va s'effondrer. Et si on s'effondre vraiment, moi, je prétends que le livre est irrattrapable. Euh, c'est aussi pour ça que je suis tellement gravement insomniaque. C'est parce que pendant mes insomnies, avant d'écrire, j'écris déjà dans ma tête, ah. en, en faisant là, à ce moment-là toutes les ratures. Et c'est à ce moment-là, après, quand je me réveille pour écrire à 4h du matin... Quand je me mets à écrire, c'est vrai que Général... généralement c'est déjà écrit en fait. Les conditions idéales, c'est aussi le nom d'une de... playlist, de votre playlist euh, euh, spéciale où on trouve dans cette playlist 15 titres. Il y a euh, par exemple Baby One More Time de Britney Spears, Louise Attack, je t'emmène au vent. Ouais. Et puis Ayam, demain c'est loin. Ouais. Ça c'est, ouais, ça fait partie des titres qui vous ont accompagné pendant toute l'écriture. Quand vous dites écrire, c'est long. Ouais. Vous vous écoutez aussi ces sons pendant Oui, oui. oui bah je... donc euh, ce livre je l'ai écrit sans travail, sans rien quoi. Donc euh, du coup, on se lève, on n'est pas spécialement content de, de le faire. Donc j'avais parfois un peu la haine, voyez-vous. C'est un bon moteur. Donc euh, j'écoutais du rap, je faisais des pompes et je me mettais sur ma table. Quoi. <laughs> Mais il y a donc beaucoup de musique de rap qui m'ont accompagné, mais il y a aussi une dimension, euh, comme c'est un livre sur l'enfance l'adolescence. Vous voyez, Britney Spears, vous l'avez cité. Moi, je euh, suis de l'époque où Baby One More Time est apparue à la télévision. Et pour les petits garçons que, que nous fûmes, Mohamed, n'est-ce pas Eh bien, euh, c'était une révolution. Et donc, ça finit sur une, aussi sur une musique de la Grande Sophie comme un roman, puisque j'ai tourné dans son clip euh, avec d'autres. <laughs> voilà. Donc, c'est une sorte de. Révolution quoi, en tour entier. Vous êtes un grand lecteur de Camus et vous pensez qu'on devrait relire Camus. C'est ah vrai oui. qu'il y a une. On s'est intéressé tout d'un coup à Camus au moment de l'épidémie de Covid. Euh, on s'est dit tiens, il nous avait peut-être expliqué deux trois choses qu'on mmh. comprend euh, un peu à mmh. retardement, mais c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous avez accepté et vous êtes enthousiasmé à l'idée de ce projet, c'est parce qu'il est important de remettre l'œuvre de Camus euh, et de le rendre accessible au plus grand, au plus large public. Mmh. Moi, je me rencontre, alors à titre personnel, mais je souhaite le partager ça avec le plus grand nombre, que euh, Camus m'a, d'une certaine façon, aidé à vivre, à supporter de vivre. Ça peut paraître euh, beaucoup, excessif, je ne sais pas. Non, je trouve que ce n'est pas facile de vivre. Le monde est complexe et puis il est, devenu, il, il est de plus en plus. Et ça me soulage. J'ai lu encore, ça me fait du bien, je veux dire. Je lis beaucoup euh, et be je sens que j'ai besoin de le relire. J'ai besoin de relire, de encore mieux comprendre ce qu'il qu entend par philosophie de l'absurde. Ces êtres absurdes qui au fond sont largués dans le monde si violent et, et c'est de faire avec et sans s'habituer. Ça c'est très important parce que ce que nous faisons tous c'est qu'on s'habitue ouais. à la merde, au cauchemar et à la violence. Quand vous écrivez, vous le faites d'abord pour ceux qui ne lisent pas. Oui, et je, surtout je, je lis à voix haute pour ceux qui ne lisent pas. Ça c'est une pour ceux qui ne lisent pas ou pour ceux qui croient ne pas aimer lire. Mm. Ça, quand vous avez vous entrez dans une classe dont les gosses vous disent vous voyez, qui n'aime pas lire alors évidemment pour complaire à leurs copains une forêt de doigts qui se lèvent <laughs> mais quand vous leur lisez. D'accord, vous n'aimez pas lire, je vais vous lire. Quand vous leur lisez, je ne sais le début du parfum de Suskind, c'est ça que tout le monde veut vous piquer le bouquin à la fin de la lecture à voix haute. Cette envie de lire, ça rejoint, je suis tellement contente de, de t'entendre. Parce que c'est ça, moi, c'est une passion de la lecture qui m'emmène là. Qui vous a sauvé, vous dites, carrément. Oui, ça c'était une boutade, mais c'est vrai. Ah bon parce ah, que J'ai pris mes degrés. C'est vrai, c'est pas vrai, parce qu'à ce moment-là, on m'a demandé, euh, c'était euh, Barthes euh, au quotidien qui m'a dit si j'avais connu euh, l'époque Epstein et tout ça. Et en rigolant, je dis oui, oui, j'étais mannequin effectivement à 15 ans. Mais euh, quand on me proposait de passer des week-ends avec des gros messieurs, avec des cigares, je les voyais en maillot de bain, tout petit riquiqui, <laughs> et nous, les, les belles filles de 15 ans autour ah. de la piscine. Et très vite, je me disais bon, résidence Clotilde, c'est là où j'habitais à Milan. Kundera, l'insoutenable légèreté de lettres m'attendait dans ma chambre et je me disais week-end Kundera. Et en fait, <laughs> sans savoir pourquoi, j'évitais les choses parce que j'avais une passion pour la lecture. Donc c'est pour ça que, que quand, quand tu disais que la lecture sauve, moi j'ai bac-3. Ah bah ça vous a sauvé réellement. Là. Oui, mais ça m'a sauvé de tout. J'ai des, bac-3. Des, des, des gros messieurs, des vilains. Ça m'a donné un savoir. Vous disiez, j'ai bac-3, ça veut oui. dire. Ben, j'ai quitté l'école à 15 ans. Mais euh, grâce à la lecture, parce qu'à 15 ans j'étais déjà féru de lecture, je disais déjà des choses de plus grandes, en fait je ne rougis pas devant des savants. Je peux rencontrer des philosophes, euh, je n'ai pas peur, parce qu'en fait j'ai acquis beaucoup de, de, de connaissances à travers la, la lecture. Et tout le monde peut le faire. Ça coûte 3 euros dans les, biblioth dans les librairies, un livre de poche, et euh, on peut. Euh, Apprendre des choses scientifiques euh, sur le cerveau, sur la philosophie, sur euh, mmh. se renseigner sur soi-même, euh, sur sa condition, euh, lutter. Donc je pense que c'est une arme et c'est pour ça que je monte sur scène parce que je veux devenir lectrice. Donc je commence avec Frida Kahlo, mais j'aimerais bien lire Camus plus tard. Ah, c'est qu'un début, Frida Kahlo Oui, je veux devenir lectrice professionnelle. Là, c'est sorti de façon plus condensée parce que d'habitude, ils font 800 pages à peu <laughs> vos romans <laughs> et là, c'est 400. Oui. Mais ce n'est pas moins pas dense, bien. en tout cas. Non, j'ai fait un effort parce que mon rêve, c'est d'écrire le plus court possible. Parce que les romans que j'ai aimés sont souvent des romans très courts. Et parfois, j'ai besoin de parler ou de raconter trop. Et donc, je me suis dit, il faut que j'arrive. C'était mon, mon défi un peu là, d'arriver à écrire ou à raconter autant en moins de pages. C'est pas aujourd'hui aux éditions Rosianne Wolf. Parce que c'est la maison d'édition qu'a oui. et Joël. Et vous, vous éditez d'autres auteurs également Oui, absolument. <coughs> J'édite un auteur suisse, euh, Nic, Nicolas Feuze, qui est un auteur de Polar que j'aime beaucoup. Et j'ai surtout fait paraître en août dernier un livre très important qui s'appelle Lecteur, reste avec nous d'une américaine qui s'appelle Marianne Wolff et qui explique pourquoi et comment notre cerveau se construit parce qu'on lit. Pas par la culture que ça nous apporte, aussi, c'est très bien, mais surtout parce que notre cerveau se construit comme un muscle par. Ce travail ce travail de lecture profonde, la lecture profonde, qu'est-ce que ça c'est le papier, donc il faut lire du papier, pas du digital et il faut lire, il faut se concentrer un peu, c'est comme ça qu'on développe du sens critique, c'est comme ça qu'on développe de l'empathie, c'est comme ça que les générations qui lisent sont capables de faire face à des fake news plus que les autres et c'est pour ça aussi qu'on construit la démocratie parce qu'on lit, parce qu'on est tourné vers l'autre et donc lisons, lisons, c'est euh, un des actes les plus importants. Qu'on puisse faire aujourd'hui. Et faisons lire mmh. les plus jeunes aussi. Dans un instant, pour vous accompagner jusqu'à 21h, Lara Fabian, Louane, Eric Cantona, Nora Jones, Jérôme Commandeur, Timothée Chalamet, quelques-uns des invités superstars qui se sont succédés à la table du dîner de C'est à vous. Moi, je suis prête, je vous attends, à tout de suite.